Ouais, bienvenue du restaurant qu'on reçoit. Yes! On est avec Jack aujourd'hui. Wouh! Jack? Jack? À quoi on joue? On joue à... On joue au Scrabble. Scrabble? Ouais. T'as-tu déjà joué au Scrabble? Oui. Avec la famille. T'es-tu bon au Scrabble? Dépend des jours. Dépend des jours ou des lettres? Des lettres. Surtout fuck. Des lettres. Fucking Scrabble, man. C'est un jeu intéressant. Parce que tu vois, tu sais, avec du monde dans la vie que utilise des mots simples, mettons. Il n'y a pas grand monde que je connais qui utilise des mots fancy, genre qui veulent dire plein d'affaires compliquées. Mais quand tu joues au Scrabble, tu découvres l'intelligence du monde pour vrai, genre. Que là, ils te sortent des estimations impossibles. Puis là, tu te dis, voyons donc. Voyons donc. Là, il dit, t'as dit. Voyons donc. On va checker dans le dictionnaire. T'as l'arnaque. Là, tu veux checker si ton sel. Non, si t'as pas le droit d'aller sur Urban Dictionary. Ah, the fuck. ça compte pas, ça. Ça compte pas, Urban Dictionary. Fait que je vous le dis. Ça compte pas. Là, tu te rends compte que tes amis sont intelligents ou vraiment tartes. C'est quoi ton meilleur mot que t'as fait au Scrabble? C'est comme si tu me demandais qu'est-ce que t'as mangé le jour du 11 septembre. Là. Je le sais pas. Tu sais pas? Ben non. Je me rappelle, en tout cas... Probablement que t'as mangé quelque chose. Non, j'ai pas allé. C'est probablement. Mais je me rappelle des... Tu sais, quand il y a eu les boom-boom, là, à New York. Les boom-boom. C'est pour être... T'étais là, non, j'étais... Ouais, ouais, j'étais ici. Ok, j'étais ici, t'étais mais... T'étais vivant. Oh, ouais, j'étais vivant, mais... Je pensais que t'étais à New York, j'ai ouais, fuck, ouais. Mais c'est donc un coup. Non, c'est pas cool, là, on sait. Non, mais. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais. Fait que là, tu sais, j'étais ici, ouais. Puis je me rappelle, ma mère m'a dit, le gaz va monter! là, je me suis dit, pourquoi? Là, j'étais en deuxième sans année. Sans doute une bonne question à se poser. J'étais en deuxième année, puis. à l'école. Ok. Avec les autres amis, là. Ouais. Avec les amis. Avec les amis. Pis là, moi tout, man, c'était la même affaire. J'étais à l'école, pis le clocher de l'église a sonné pour faire commémorer ça. La journée même? Non, c'était peut-être une autre journée. Ah non. Je me rappelle que ça avait sonné une journée, un 11 septembre, pis que tout le monde dans la classe était what the fuck, man. Ben pas what the fuck, parce que c'était en 2005, genre. 2001? Ben ouais, ok, c'était peut-être vraiment plus tard. Mais bref, toutes les élèves étaient, mais qu'est-ce qui se passe? Comment t'interprètes ça, un enfant? De cinq, première à cinquième année. Je veux dire, comment tu fais une voix de ça? Je vais essayer de me tenir loin de ça. Des enfants de première à cinquième année ou des imitations de voix? Des imitations de voix. Oui. Gross. Yes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que... C'était mieux jouer au Scrabble ou la pizza au fromage? Attention, il n'y a pas de bonne réponse. Il m'a te répondre s'il y a de la saucisse dessus. Oh! Je vais faire la pizza. Oh, tabarnak. J'espère que ça va être coupé, ça. Non! Ça va direct sur Internet. Mettre ça sur le mur Facebook à ta mère, à ton père, puis la DPJ aussi. Avec la mention, regardez ça, DPJ, à cette heure, on reçoit soit Marc-André Cossette, voici son adresse. Il est là, c'est ça qu'il fait, fais ça dans la vie. Allez le chercher. Non, mais, quoi que j'adore faire, des jokes inappropriés. Oui. Tu sais, pour tester le monde, mais en même temps, parce que c'est tellement drôle faire toutes les jokes. Que normal. Y'a bien des unités de sauvegarde dans le jeu, mais là. Ouais, t'es tout le temps en train de serrer. Ben, je le sais, je m'excuse, mais tu sais, je suis sur une Game Boy, hein. Ça peut manquer de batterie anytime. C'est vrai. J'adore ça, faire des jokes inappropriés. Comme. Moi, j'aime les jokes inappropriés. C'est tellement cool, là. Hein. Les jokes que le monde savent pas s'ils doivent rire, c'est les meilleurs. Oui. Raconte-moi une joke. Hey, Colin. Tu me prends au dépourvu, toi, là, comme boule de haut. Ben, tout le temps, man. Anime le show. Anime le show. Ok, je vais en faire une. Faut une joke, pas de ligne. De préférence. Ah! Oh my god!
Ok, je me prends au dépourvu moi-même. Ouais, hein? Ok, c'est quoi la différence entre... les seuls que j'ai en tête, c'est des jokes vraiment que tout le monde connaît. Mais pas grave, je vais en essayer une. C'est quoi la différence entre un bébé... c'est quoi qui est pire de 10 bébés morts dans une poubelle? 20 bébés morts dans une poubelle? Non, c'est un bébé mort dans 10 poubelles. Oh! Oh! Personne n'a vu ça. Non. Mais la réaction, c'était comme oh! 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 J'y avais pas pensé, celle-là. Yup. Qu'est-ce qui est plus drôle que faire aller un... Tu sais, je tiens à préciser avant de faire 5 jokes de bébé mort de suite que Lambine. Vous juste vous rappeler, il y a 4 enfants, tu sais. Ça, je continue mes jokes de bébé mort. C'est quoi qui est le mieux entre faire aller un bébé mort à 100 km/h sur une corde à linge? Puis il y a une autre affaire, mais j'ai mal raconté la joke. C'est quoi, qu'est-ce qui est plus drôle que de faire aller un bébé mort à 100 km/h sur une corde à linge? Généralement, faut que t'essayes de quoi? je sais pas. Yes! C'est de l'arrêter avec une pelle. Et le prix des jokes du mauvais goût va. Ah! Yes! Wouh! Il y a inséré des confettis ici. Fais-moi une joke. Fais-moi une joke. Fais-moi une joke. Pas que j'ai été un peu. Fais-moi une joke. Une joke que t'as trouvé drôle derrière moi. Une joke que j'ai trouvé drôle derrière moi. Je suis bien plat. Moi, je suis donc bien plat. Ben ouais, c'est compliqué, là, je te comprends. Je vois au jeu. Moi, à manette, je vais jouer au jeu. Ben, tu sais, je... ben, la joke. Vas-y. La joke des trois filles qui vont voler de quoi dans une place. Je sais pas, vas-y. C'est un classique, là. C'est une brune, une blonde, une rousse. Ok. Ils s'en vont voler quelque chose à une place. Ouais. Mettons une grange, mettons. Là. T'es-tu en train de l'inventer à mesure? Non. Mais, non, mais c'est parce que. Fait que là. Ouais. Fait que là. Les trois filles, ils s'en vont dans la grange. Pis. T'as un peu de rire, là. Ben oh, mais je l'aime, ta joke, ta tabarnak, t'es drôle, ben moi. Mais là, attends un peu. Fait que là, il y a trois filles. Il y a trois filles. Toi, tu ris, Chris. Ben oui, je ris, mais. Tout à connaître, là. Fait que là. Il y a les trois filles qui sont en train de voler du stock, pis là, ils entendent genre une police qui s'en vient. Ok. Fait que, ou un garde de sécurité de grange, mettons. Là. fait que là. Un grange dit. Bon, ça, c'est barré. Okay. Fait que là, il y a. Fait que là, ils se cachent. Ooh. Ils se cachent, mais dans des sacs. Genre, ils prennent le premier sac sur le bord, pis ils se cachent dedans. Okay. Là, ils se cachent tous dans un sac différent. Ouais. Fait que là, ben, le garde, il passe. Ouais. Pis là, il donne un coup sur le sac. Il donne un coup sur le premier sac où est-ce qu'il y a la rousse qui est cachée. Ok, ok. Fait que là, la rousse, ça fait. Cut, 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 cut. Fait que là, ben. Fait que là, le garde, il dit, oh, c'est juste des poulets. Ah, oh, des poulets. Okay. Fait que là, il se cache dans. L'autre fille, la brune, ouais. elle se cache dans le. Voyons, j'ai tué bon, moi. Ouais. Elle se cache dans un autre sac. Yep. Pis là, elle fait. Cocorico! Fait que là, ben. Le garde dit, oh, c'est correct, c'est un coq. Fait que là, il fait sur le troisième sac où est-ce que la blonde est cachée. Yep. Pis là, la blonde, elle fait. Je l'ai pas compris. Parce que rien qu'elle était pas si bonne que ça. Non, elle est pas drôle. Je veux dire, c'est. Les jokes, c'est pas obligé de faire esclaffer, mais juste un petit sourire. Un petit sourire. Tout le monde a un petit sourire. C'est l'intention qui compte. Non, mais elle est drôle, je reconnais la qualité. Parce que moi, je pensais qu'elle allait genre être cachée, je sais pas, mettre dans un sac genre de fumier, puis qu'elle allait faire des bruits de pète. Non! Mais tu sais, tu savais où c'est ça le lien à joke. Ben je veux dire oui là. Toutes les jokes de. Les jokes de. Il y a le premier fait ça, le deuxième fait ça, le troisième fait le cave. Tout le temps ça. Troisième fait le cave. Ben j'ai pas le choix. Fuck!
Hey Emma, oui? T'es-tu à quelle heure? Il est l'heure... C'est l'heure du segment du coloc. Ah oui, le segment du coloc. Wouh! Vas-y. Ok, laisse-moi bien penser là. Vas-y, non c'est pas grave, je te laisse, c'est l'heure dans... Attends une minute là. Ok, ben je l'ai. Ok, bon. Fait que là, c'est encore le coloc. Yes. Puis, on peut lui donner un nom si tu veux. Puis au pire, si tu te fous de nom, je vais juste mettre un bruit de quelque chose par-dessus au montant. Un bruit d'avion. Hein? Le petit gros trafic dans l'appart. Ok, fait qu'on va l'appeler. Ok, je vais mettre un bruit d'avion là, mettons. Ouais. Ok, fait qu'on l'appelle. Donne-tu un nom. Baptise-le. Mettons là qu'il aurait fallu que je choisisse son nom, comment tu l'avais appelé? Yves. Parfait. J'ai eu un petit un arrêt de battement de cœur juste pour le fantastique choix de nom. fait que là, il y a. Oh, ben, on va donner aussi un nom à ma coloc aussi. Go. Parce que. Yvette. Ah non, ça. Yves pis Yvette, non. Elle... On va être fourrant. On va être fourrant. Yves pis. Caroline. Ah, c'est beau, Caroline. C'est une de mes amies, mais ça a pas de rapport avec ça. C'est pas celle-là. Non, c'est pas elle. Fait que. Là, il y a Yves. Ben, il y a Caroline, en fait, qui se prépare un voyage pour aller en Californie, ça, puis avec ses études, puis en cinéma, tout ça, une belle réalisatrice. Puis, okay. Je pense que je vais peut-être enlever ça aussi au montage. De quoi ça? Ben, non, continue. De quoi ça? Ben, je sais pas, si tu dis trop d'affaires à un moment donné. Il y a quand même du monde qui vont être capable de. Ben, tu crois que peu importe ce qu'on dit, tout le monde, il y a bien du monde qui vont savoir de qui qu'on parle, même si on l'appelle Yves! En tout cas! Fait qu'elle fait des études au cinéma, puis elle s'en va en Californie, what the fuck! C'est ça. Okay. Fait que là, voyons. Yves, c'est. Ben, en fait, Caroline, okay. qui doit vendre du chocolat. Ouais. Pour son voyage, plus normal. Ouais, ouais. Puis. Oups. What? Il est où, mon. Voyons, Chris! Hey! Hey! Fuck you, game! The fuck? Ok, ben, mangez la marde. Mange la marde! Mange l'autre bord! Ça va l'autre bord. De toute façon, on finira pas le jeu, même en gaulliste. Eh oui! Fait que là, faut qu'elle vende du chocolat. Ok. Pour financer le voyage. Ouais. Puis, parce que c'est un étudiant à fond de scène. Ouais, c'est ça. On a volé. Fait que là, elle a tous ses chocolats dans sa chambre. Ok. Puis, à un moment donné, elle revient le soir. Pis elle commençait à être tannée vraiment de Yves, parce que Yves il bossait du stock, pis en tout cas, c'est un bum. Pis là, elle revient le soir, pis là, tous les chocolats avaient été mangés. Fait que là. Pis genre, des chocolats genre à 5$ la palette. Des chocolats, là, des motherfucking chocolats. Fait que là, elle écrit à Yves, là, il dit Yves. Faut qu'on se parle. Fait que là, Yves, il sait très bien de quoi qu'elle veut parler. Ben oui, ben... Fait qu'il dit, je te le promets, Caroline, je vais changer. Là. Boss time! Avec le boss time. Mais tabarnak, finalement, y'a-tu repayé? Non, y'a rien repayé. Comme toutes les fois qu'il a bossé du stock. Et voilà. Tu sais, des fois quand t'es. C'était boss là, man. Il vient pas une blowjob. Ouais, c'est un esti de grosse flashlight, man. Dans le fond, c'est ta boss. Tu vas me fourrer avec tout ton corps. Fait que ceux qui savaient pas, The Talos Principle est en spécial. Mais. Après ça, est-ce qu'il s'est fait crisser dehors de la part? Non, ben il était sur le bail, fait que c'est dur de. Ok, ouais. C'est bien mal, ça. Les bails, c'est tellement double point. T'as gagné contre la flèche. Ah, ok, non. T'as gagné contre la flèche light, je sais pas oublier, mais. Nope. Peux-tu. Toutes les boss font ça. Ah oui, c'est vrai, parce que tu ramasses tes pouvoirs là. Ouais. C'est cool, t'as comme un com de mini-boss après le boss, là. Parce qu'il faut pas que tu te fasses tuer par le pouvoir, genre. C'est ça. Yay! Méga saut et boule de saut. Fait que la prochaine fois, sur Astor soit. On reçoit dessus, encore? Ouais. Ouais, mais je veux dire. Ah oh, ouais, tu vas être là. Ah, je vais être là, ok. Ben, je veux dire, si t'es consentant, là. Ouais. Si t'as pas de quoi faire d'ici 15 minutes,
Ou une semaine dans l'esprit de nos visionnaires. Visionnaires. Fait que... Ok, je vais être là. Yeah! Wouh! On va faire mon possible. Ouais, ça, je vais checker mon horaire très chargé de gars qui travaille vraiment. C'est beau. Fait que, ciao. Salut! Pas confiant à faire des épisodes non, avec moi? Ça va bien. That's it, that's all.